Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et vous avez sûrement été nombreux à observer ce clignement de l'œil de Brigitte Macron, la femme du président. Si vous n'avez pas vu ce clignement de l'œil, de l'œil gauche, eh bien je vous propose de le regarder à travers quelques secondes pour que vous vous fassiez une vision de ce phénomène et puis après on va regarder ensemble avec l'oracle de béline de quoi ça provient mais déjà regardons tranquillement ce petit instant très bizarre très curieux alors que penser que penser de ce clignement on va regarder un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut voir là-dessus. Est-ce un tic nerveux Est-ce autre chose Bref, si vous avez remarqué, on n'en parle pas. Personne ne remarque les médias encore moins, mais les médias qu'est-ce qu'ils remarquent encore Alors, on pourrait regarder en posant une question simple d'évolution ou plutôt je ne vais pas commencer par une évolution je vais commencer par une question plutôt simple qu'est-ce qui a provoqué quelle carte représente l'événement qui a provoqué ce clignement de l'œil chez Brigitte Macron On y voit Mars. Mars, c'est toujours une agression, quelque chose qui vient physiquement vous impacter, ou moralement, ou verbalement. Mais dans Mars, il y a toujours la notion d'agressivité, de quelque chose qui vient euh, être désagréable. Et puis cette carte, le procès, elle nous représente deux épées. Par rapport à la symbolique, et vis-à-vis -vis de la question, j'ai demandé quel était l'événement qui a provoqué ce clignement de l'œil, cette espèce de tic que l'on observe. Bien sûr, il ne faut pas y voir le procès. Avec l'oracle de Béline, il faut aussi savoir composer et ne pas lire rigoureusement les cartes. Mais observer plutôt des objets tranchants démontrant une intervention chirurgicale sur Brigitte Macron c'est en cela que l'on peut répondre à la question et puis surtout c'est avec ces éléments-là que l'on comprend qu'il y a eu une opération alors on ne sait pas une opération de quoi on va essayer de déterminer si c'est grave pas grave et puis rappelez-vous euh, on a vu beaucoup euh, Emmanuel Macron avec des amis au bord de l'eau, au fort de Brigançon, mais on n'a pas vu de Brigitte Macron. Elle semblait un petit peu en retrait depuis un moment, avec euh, des allées et venues, mais on la sentait moins présente que parfois. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de remettre la carte ici et puis de reposer la question différemment une question axée sur la santé de Brigitte Macron ou plutôt je dirais sur ce qui s'est passé avant ce clignement de l'œil bien sûr il y a forcément la santé ne nous rompons pas donc comment a évolué La situation pour Brigitte Macron avant ce clignement de l'œil. Remontons six mois auparavant et regardons. Il est toujours plus difficile de bien formuler sa question lorsque l'on essaye de remonter le temps. L'idée, c'est de savoir ce qui a pu clocher. En tout cas, on a l'idée qu'elle a payé quelque chose. Avec la carte présent, vous voyez, on offre quelque chose. C'est l'idée de payer un service. C'est l'idée aussi de faire, peut-être le mot sera-t-il mal choisi, une forme de sacrifice, une offrande. Alors, bien sûr, on fait une offrande au percepteur quand on va payer ses impôts. Ça ne s'appelle pas vraiment comme ça. Mais on fait une offrande aux dieux pour les satisfaire. On fait des sacrifices aux dieux pour les satisfaire. Et vous voyez que là, on est dans l'offrande. Bien sûr, la carte ne dit pas à qui on fait l'offrande. Mais en tout cas, on espère des jours meilleurs. Et donc, c'est vraiment l'idée d'offrir quelque chose. Voilà pourquoi l'idée d'offrande, voyez, de, de payer. On dit plus facilement payer à notre époque. Mais c'est l'idée d'offrir quelque chose de matériel en espérant obtenir en retour quelque chose d'autre. Ici, en opposition, nous avons la carte appui. La carte appui, c'est de l'aide, c'est le soutien. Or, il est en opposition, il n'y en a pas de soutien. Ça ne dit pas de qui mais on voit une tête couronnée, on a l'impression que son mari n'est pas vraiment là pour elle et que, face à ce qui se passe pour, pour elle, on a un détachement du chef de l'État vis-à-vis de Brigitte Macron. Ce qui semble répondre à certains échos qui laissaient fuiter, entendre que Emmanuel Macron et Brigitte Macron au sein de leur couple n'était pas au mieux. Et puis l'idée de Jupiter, c'est l'idée d'expansion, de continuité. Alors oui, certes, en façade, il faut bien essayer de soigner les apparences, mais derrière tout cela, on sent plutôt une absence et un fossé qui pourrait se creuser entre les deux personnages de cet état français même si un seul n'est président, l'autre est quand même toujours dans l'entourage. Il n'a aucune fonction, Brigitte Macron n'a aucune fonction en France. Je rappelle que le titre de Première Dame n'existe pas en France. Hein. C'est vrai qu'il y a tendance des journalistes à dire Première Dame, ce titre n'existe pas, elle est juste la femme du président. Et le conseil pour Brigitte Macron serait de trouver la paix et de faire la paix carte vénusienne, renforçant l'idée de ce que je vous disais, au sein de son couple, ça ne va plus, et donc que quelque part, elle a besoin de retrouver du calme. Tiens donc, elle fait des offrandes, ça ne va pas au sein de son couple. Et ça ne va pas au sein de son couple parce que son mari n'est plus là pour la soutenir. Deux questions différentes. La soutenir, pourquoi pourquoi la soutiendrait-il Et puis, il s'éloigne. Pour qui elle a fait l'offrande Pour les deux Pour le rapprocher d'elle à nouveau Ou a-t-elle fait une offrande Pour éviter le pire. En résultat, nous avons une grande forme d'incertitude. L'incertitude, c'est l'idée à une époque lointaine où on montait dans les bateaux en Europe, on partait vers les Amériques, on ne savait pas si on allait pouvoir y arriver. Parce que quelque part, on risquait sa peau. Un orage, les pirates, et on pouvait y laisser sa vie. Eh bien là, c'est la même idée. Avant ce qui est arrivé, cette opération, et même depuis l'opération, il y a des craintes chez Brigitte Macron. Elle ne sait pas comment ça va aller au jour le jour. Ou plutôt, elle vit au jour le jour. Il y a donc quelque chose qui s'est passé pour elle. Est-ce que c'est simplement l'opération qui était risquée On peut quand même se dire que ça ne devait pas être si risqué que ça. Personne n'en a parlé dans les journaux. Rien n'a fuité. Si ça avait été très grave, ça aurait pu sûrement fuiter. Ou tout ceci est-il resté sous couvert Ce n'est pas le chef de l'État. Il n'y a pas à rendre officiel ce qui se passe sur sa santé. Rappelez-vous, Mitterrand a été président et a toujours eu un cancer de la prostate, de 81 jusqu'à la fin. Alors, la femme du président, finalement, on peut bien nous le cacher, mais le laps de temps où elle a disparu n'était pas très long. En tout cas, on a l'impression qu'on ne sait pas si ça va aller. La carte là de l'eau, c'est vraiment les ressentis, les troubles. On ne sait pas demain de quoi sera fait. La nativité, c'est l'idée de renouveau, de recommencer, d'une nouvelle naissance. Alors rassurez-vous, personne n'a cloné Brigitte Macron pour en faire une deuxième. Rassurez-vous sur ce point. Non, pour moi, il y a eu une opération, vraisemblablement autour de la chirurgie esthétique. Mais on ne sait pas si ça va tenir. Elle cherche à reséduire euh, Emmanuel Macron. Il y a une forme de jeu de séduction là-dessus. Mais. Cette idée d'offrande, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair parce qu'il y a l'idée de séduction, la vieillesse avance, beaucoup de choses autour de Brigitte Macron. Mais là, avec ce clignement de l'œil, il traduit quelque chose qui s'est passé sur son corps. Une opération dont on n'a pas entendu parler. Et puis, une opération qui a cherché, pour moi sur de la chirurgie esthétique, pardon, à masquer quelque chose. Ou à refaire quelque chose. Je ne sais pas trop bien quel terme employer. Alors à présent, regardons ce qui va se passer dans les quelques semaines qui arrivent. Je pense que nous pourrions être surpris. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo.